Ok. Donc là, je suis arrivé à l'hôtel que j'ai réservé avec Booking, mais le mec, il a besoin de m'expliquer. Mais ここ hôtel, Hatagoya Hotel, では, cash ticket, 買って, check in. Je vais pas payer deux fois, t'es sûr? C'est une application qui traduit le français et le japonais. Yoyaku dewa ano hotel no ryōkin wa haitemasen. Hotel no ryōkin wa fronto de harai. Ne contient pas de prix pour cet hôtel est à la réservation. Ok, je viens de comprendre. En fait, Booking, tu fais juste une réservation. Tu payes sur place, mais Tatarek, il avait oublié parce qu'il est fatigué. C'est le matin, il vient de se réveiller. Yeah. D'accord. Ok. Là, il est en train de me dire, tu reviens avec ce petit... Est-ce que je commence à comprendre le japonais? Donc là, on va le remercier. Hein. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ça, ça fait plaisir. Je me trouve dans le quartier de Harajuku. C'est un quartier qui, dans les années 90, a été pris d'assaut par tous les street artistes, les artistes et aussi les créateurs de mode. Là, je suis à Harajuku, au Design Festa Gallery. C'est une galerie d'art qui regroupe de jeunes artistes encore inconnus et ils ont la possibilité d'exposer ici. C'est la petite minute culturelle. Hein. Et voilà deux jeunes japonais passionnés de culture. Yeah. Yeah. Alors vu que c'est un lieu associatif, ils ne vivent que de ce que tu consommes au bar. Hein, les artistes ne sont pas payés, donc je ne pouvais pas ne pas prendre une petite consommation avant de partir, histoire de dire que je participe moi aussi à la vie de cet établissement. Si je suis dans ce quartier cet après-midi, c'est tout simplement parce que j'ai rendez-vous avec mon ami Stéphane et qui s'est installé ici depuis peu avec sa femme. Et je ne pouvais pas venir à Tokyo sans venir lui faire un coucou, donc du coup on a rendez-vous tous les deux ici devant la gare. Donc j'ai retrouvé mon pote Stéphane. Ouais. Voilà. Stéphane, hein, pour ceux qui le connaissent, hein, y en a dans la vidéo qui vont la voir, qui connaissent très bien Stéphane. Salut les mecs, je suis avec Stéphane. Voilà, bon, y a le train qui passe, c'est un peu bruyant. Tu m'emmènes où là? Alors là je t'emmène à l'entrée du parc Yoyogi. On y va, et puis tu vas voir ça, tu vas pouvoir faire quelques belles images. Quelques belles images, voilà. Super. Allez. Et donc, ça fait combien de temps que tu es ici à Tokyo maintenant, Stéphane? Ça va faire 6 mois. Ah, 6 mois, ouais. 6 mois. Et ça va, tu t'y plais? Ah ouais, ouais, ouais. C'est un régal, quoi. Vivre ici, c'est un régal. J'ai remarqué ici qu'à Tokyo, les gens étaient très à cheval sur les règles, et tout le monde les respectait. Bah, c'est très rare, en fait, d'avoir des... Comment on dit, des gens, par exemple, qui vont traverser au feu rouge alors que le bonhomme oui, de rester ça sur je l'ai vu également, c'est vrai. Même s'il n'y a pas de voiture, ils attendent, c'est pas à eux de passer. Donc en fait, tout est comme ça. Il y a énormément de respect, il y a un truc qui est mis en place, on le respecte. On respecte aussi beaucoup les choses. C'est ce qu'ils appellent un peu le shintoïsme, tu vois. Quand tu as un plus jeune âge, dès les premières années, en fait, on te fait porter des kimonos avec des signes, en fait, sur ce kimono qui t'apprennent déjà le respect de la nature, des vieilles personnes, des animaux. Et en fait, au fur et à mesure que tu grandis, il y a comme ça des notions qui sont ancrées en toi, en fait. Et ici, au printemps, tu as les fameux cerisiers en fleurs dans ce parc. Mais alors, les cerisiers en fleurs, ça dure vraiment 4 jours. Hein. Ah oui, c'est très rapide. C'est rapide. Enfin, ils sont vraiment florissants pendant 4 jours. Et au bout de 4 jours, ça commence déjà à se dépérir un petit peu. Okay. Et ça dure comme ça pendant une semaine à se dépérir. Et au bout d'une semaine, 10 jours, il n'y a plus rien, c'est fini. Voilà, ça. Je suis avec Stéphane et sa compagne Mika, je les ai retrouvés tous les deux. Ma femme. Ta femme. Ah oui. Pas une femme, épouse, chérie. Les et les jumeaux qui sont là. Salut les chéris. Ils dorment. Voilà mon Stéphane, ça a été un plaisir de te revoir. Ouais. Bah oui. Prenez soin de vous deux. Merci, et on bon voyage à toi. Merci beaucoup, c'est gentil comme tout. Tu vas voir plein de trucs différents.
J'espère en tout cas. Incroyable cette ville. On finit bien et on se revoit sur ça. Avec grand plaisir. Salut mon Stéphane. Salut. Bye. Salut mon Mika. Bye. Salut mon Steph. Salut. A bientôt. Prenez soin de vous deux. Et toi aussi. Voilà, je quitte mes amis français ici à Tokyo et la balade continue. Alors le parc de Yoyogi est un parc qui est très réputé ici à Tokyo. C'est comme une sorte de poumon de verdure, surtout quand on sait et quand on a vu à quoi ressemblait les chœurs animés de Tokyo avec les grosses télés, la musique dans les rues, les lumières partout. C'est vraiment un balancement entre ce Tokyo super animé et ces parcs qui en fait sont comme une sorte d'endroit où on vient se ressourcer et recharger les batteries. Et les Tokyoïtes adorent, et surtout le week-end, venir se reposer dans ce parc. J'avoue, hein, y a qu'à regarder autour de soi. Thank you! Et bien voilà, what's your name? My name is Moritaka. Moritaka! Merci beaucoup. Bienvenue à Tokyo. I get misty just holding your hand. Walk my way. Alors là, je suis dans la Takeshita Street. C'est une rue piétonne sur 400 mètres ici à Tokyo, où les jeunes Tokyoïtes viennent et d'une montrer leur dernière fringue à la mode, acheter leur dernière fringue à la mode et également acheter toutes les petits gadgets qu'on peut trouver. C'est une rue piétonne qui est très connue ici à Tokyo, dans le quartier d'Harajuku, et comme je vous l'ai dit, donc elle est remplie de jeunes. Hein. Voilà, de jeunes Tokyoïdes qui mangent des barbes à papa. C'est bon, it's good. Ils adorent les barbes à papa. Ils mangent que ça. Et ils mangent des crêpes aussi. It's good. You love your crepe? Yeah, good. Hein, et les petits japonais, ils adorent les karaokés. What is this? This is what? Karaoke? Karaoke, non. Japanese shop. Dazine Japanese quoi? Idol shop. Ah, and when you go here, you look the TV? TV. You have what inside? Just picture? Just this? Just picture? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Bah, je sais pas trop ce qu'ils foutent dans ce genre de truc, mais en tout cas, ça les fait marrer les gosses. C'est cool. Ça c'est sympa comme masque, ça j'aime bien, ça c'est pas mal. J'ai envie de me laisser tenter par une crêpe, tiens. Parce que rien que parce qu'elles ont une drôle de gueule, j'ai envie de goûter. Donc bonne crêpe à vous tous. Sur 400 mètres, cette rue est un incubateur de tendance où les jeunes Tokyoïtes viennent voir ce qui se passe. Mais ils viennent montrer également leur dernière coupe de cheveux à la mode. Un peu spécial. Ah, je vous l'ai dit, ici c'est la rue où les Tokyoïdes se lâchent. Même les chiens sont fringués. Alors j'ai opté pour ces fameux
du riz, du poulet là. C'est du soja. Et puis pas la petite dose, hein, genre la grosse dose de soja. Tu vois. Il y a peut-être du riz un peu dessous. Mais c'est carrément une soupe de soja quoi. Aside from